A priori, tout marche mieux. A priori, tout marche mieux. A priori, on va le savoir, hein, que tout marche mieux. Alors, on va essayer de voir si tout est bon. Par contre, on a besoin d'un petit peu plus de son ici. Oui, on a eu un petit problème technique. Alors, on va essayer de faire des petits tests pour voir si tout va bien. J'espère que ça marche pour tout le monde. Dites-moi si tout va bien. Parce qu'on a eu un petit problème technique et puis on essaie de regarder si ça va mieux. Donc dites-moi si c'est mieux. Je préviens tout le monde. Alors, excusez-moi, je fais encore des petits réglages là, puis normalement ça devrait être tout bon. Alors, est-ce que c'est bon? Alors, on va dire à tout le monde, normalement c'est tout bon. Alors, bonsoir si jamais je ne connais pas les gens qui sont sur le chat. On a eu un petit problème technique, c'était pas bien évident. On espère que tout est résolu. Donc n'hésitez pas à me dire coucou Jajalou, ça me fait plaisir que tu sois là. Coucou Lydie, coucou, est-ce que tout va bien maintenant? Oui, je sais, vous aviez un écran tout noir, vert, tout moche. On a réussi à résoudre ça, donc ça devrait être tout bon. Mais voilà, on essaie de faire des petits... Oh, c'est bien, super, bon, très bien. C'est parce qu'en fait, on essaye de faire des petits réglages et puis c'est peut-être moi. Oh, ça me fait plaisir. Coucou, ma Lydie, ça va? Ouais, et oui, j'ai fait des petits réglages. J'ai sûrement touché quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Probablement. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça marche à nouveau. Alors, normalement, je devrais avoir un dodo code pour faire une livraison dans pas longtemps. Donc alors, j'étais en train de dire tout à l'heure avant que tout ne fonctionne plus. Ben ouais, mais tu sais, on rigole tout le temps, Lydie, hein. Sur le, on rigole tout le temps quand on fait des lives et tout. Sur le dernier live de la fête du partage, mais on a rigolé, c'était tellement marrant. Moi, ça me fait du bien en plus de faire ça. Donc alors, je disais tout à l'heure que le gagnant du duel entre Laura et Terra
a donc remporté tout le lot des petites étagères Nounours Dodo Rêve. Oui, ça promet mes lives. Ben oui, exactement. Mais on est là pour rigoler, hein. De toute façon, on est là pour se détendre et tout. C'est ça qui est sympa aussi. Donc, alors, voilà, tout le lot des petites étagères. Je vais mettre tout ça dans mes poches. Voilà, parce que je pense... Voilà, j'ai le dodo code en plus, donc on va pouvoir y aller en direct. Voilà. En fait, les gens avaient le son, mais il n'y avait plus du tout d'écran, quoi. C'était n'importe quoi. Bon, il faut que j'aille chercher 50 tickets MySnook. J'espère que j'en ai encore chez moi. C'est dommage que je puisse pas voir les gens qui sont dans le chat, hein. Juste, je vois juste ce que vous me dites. J'aimerais bien vous voir aussi, ça serait sympa. Alors, est-ce qu'on a encore des tickets MySnook dans cette maison? Parce que quand même, ça serait bête si on n'en avait plus. Mais oui, on en a, c'est bon. Allez, hop. 2, 3, 4, 5. C'est tout bon. Allez, c'est parti. Ah, c'est gentil. Ça me fait plaisir, Lydie. Ça me fait plaisir. Alors, donc... Non, mais en fait, tout à l'heure, ouais, c'était marrant parce qu'on était ici. Et puis, alors, on essayait de régler le son et tout. Et puis, on se disait, mais punaise, il y a un drôle de son, quoi. Il y a un drôle de son dans le... Et en fait, c'était le gyroïde. C'est le gyroïde qui nous faisait un truc bizarre. Il nous faisait un... Comment il fait? C'est lui qui fait ça, là. Attends. On était vers un gyroïde qui nous faisait un... Non, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. En fait, j'étais par là et on entendait un bruit comme si un chien aboyait. Et en fait, c'était le gyroïde. C'était le son du gyroïde. Tout d'un coup, on dit, mais c'est le gyroïde, en fait. Oh là 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 là. N'importe quoi. Mais c'est ça qui est rigolo. Le fait de faire des lives et puis qu'il n'y a rien qui marche comme on veut. C'est ça qui est marrant. Bon, alors, ici, on va donc aller pour notre livraison. Voilà. Allez, je veux voyager. Alors, non, surtout pas un ticket MySnook. On va pas manger les tickets MySnook du gagnant. Ce serait n'importe quoi. Non, mais là, je suis pas concentrée, hein. Donc, je risque de faire n'importe quoi. Ah là là, je vous jure. C'est ça, hein, quand on veut faire du streaming et puis qu'on n'y connaît rien. Alors, avec un dodo code. Alors, c'est parti. On va essayer de pas se tromper quand même, hein. Voilà. Non, bah, du coup, je ferai un live qui sera pas très très long ce soir, parce que ça crie famine là-bas, donc voilà, j'avais prévu de démarrer plus tôt, voilà, on a beaucoup de retard, donc je fais un petit live, et puis demain, j'en ferai un grand. Je ferai un grand live demain après-midi. Ben oui, ils ont faim, évidemment, hein. En plus, c'est des pizzas qui sont prévues, alors évidemment que nous partons pour Utopia. C'est parti. Non, mais l'essentiel, c'est qu'on ait réussi à résoudre le problème, parce que franchement, on est indigne. Oh, c'est bon, hein. C'est bon, attends. Je leur donne à manger, hein. Ils ont eu à 4 heures il n'y a pas longtemps. C'était à 4 heures à 18 heures, hein. Alors ça va. Oh ben non! Connexion a été interrompue!
Ah là là. Bon, alors, je sens que ça va être encore simple cette histoire. Ah là là. Pourquoi donc la connexion est interrompue? Du coup, il faut un autre dodo parce qu'autrement, ça va pas marcher, hein. Il n'y a rien qui marche ce soir. J'adore. J'adore quand c'est comme ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. En fait, là, on est en train de me dire, va donner à manger à ta famille au lieu de faire du streaming sur Twitch. Aïe, 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 je vous jure, quel bazar. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est comme ça. Qu'ils achètent McDo. Ah bah déjà que les pizzas, on va aller les chercher à la machine, alors c'est bon. Non, d'habitude, c'est moi qui les fais. Mais là, on va les chercher à la machine. On a décidé. Alors, avec un dodo code, qu'on attend. J'espère que ça va marcher cette fois. Il n'y a pas de raison. Des pizzas à la machine. Ouais, à la machine. À la machine à pizza. Hein. Au distributeur de pizza. Ben oui. Oui, c'est comme un robot, le distributeur de pizza, en fait. Mais bon, je fais des pizzas maison, hein, mais là, wow, on n'avait pas envie de s'embêter ce soir. En même temps, elles sont très bonnes, hein, franchement, on aime bien les pizzas. Alors, nous avons un nouveau dodo code. Donc, c'est parti. Allez, hop. J'espère que ça va marcher cette fois. Mais j'ai déjà été déconnectée l'autre jour, alors qu'en fait, là, on a un bon internet, donc il n'y a pas de raison. Mais bon. On ne sait pas trop pourquoi. L'autre jour, j'ai déjà été déconnectée aussi, comme ça. Hop, pas. Allez. Oui, c'est bon les pizzas, mais il faut pas en manger trop quand même. Hein. Allez, nous voilà repartis pour Utopia. J'espère que ça marche cette fois. Allez. Emmène-nous. Oh mais tu sais Lydie, je vais pas rester très très longtemps en fait en live. C'est gentil de vouloir le partager, mais je pense que demain ça sera beaucoup mieux parce que demain je serai plus prête et puis on fera des choses. Là on a fait un petit peu n'importe quoi ce soir. Allez, on n'est pas déconnecté. On va jusqu'à Utopia, au moins ça ce soir. Non, je vais arrêter à 20h en fait. À 20h, j'arrête et puis on fera ça correctement demain. J'ai plein de boulot à faire sur mon île en plus. Faut que je fasse la patinoire, faut que je fasse. Enfin, je fais une patinoire avec une fête foraine derrière, donc j'ai un boulot de dingue, sans compter tout le reste. Ah, mon Dieu, nous arrivons. J'adore arriver en avion au-dessus des îles. Je trouve que vraiment, c'est là où on voit bien l'île et tout, c'est joli. Oh, c'est beau, des petits chemins bleus avec des champignons. C'est chez le gagnant ou la gagnante du duel entre Terra et Laura. Je fais ma livraison en fait. Alors. Coucou Léa! Coucou, bah dis donc, hein. Heureusement que t'es pas venue avant. On a eu un de ces bazars, le live ne marchait pas. Il a fallu résoudre le problème et tout. Alors, bon, je fais ma petite livraison. J'espère qu'on va avoir assez de place, là, c'est pas gagné.
Et voilà. Voilà, merci. Ramasse au fur et à mesure, ça fera de la place. Ah, il n'y a pas assez de place. Attends, on va se mettre là. Oh mince, elle a cassé son chemin du coup. Ton chemin. Allez, des petits applaudissements. Ouais, jolie, a des petits yeux violets en plus. Voilà. Il fait un petit coup. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Ah, mais pourquoi j'ouvre ça, moi ? Au revoir ! Voilà. Allez. Nous voilà repartis chez nous. Bon, bah, du coup... Cette patinoire, on ne va pas réussir à la faire. Non, j'espère vraiment que ça va bien marcher demain et puis qu'on va la faire demain. Parce que depuis le temps qu'on doit faire cette patinoire, à chaque fois, il y a un truc. Il y a un truc qui va pas et du coup, on n'arrive pas à faire la patinoire. C'est terrible. Ah là là! Là, on va avoir à peine le temps d'aller chercher notre chanson vers Kéké. Et puis, il va être 20h, quoi. En gros, c'est ça. Mais donc, j'ai pas tout mon temps. Il crie famine là-bas. Et la machine à pizza, elle est pas à côté de chez moi. Hein. Faut qu'on aille les chercher. Voilà, on passe au-dessus du bazar de mon île. Mais c'est bien parce que je sais exactement où il faut que... Coucou Louloute. Ça va bien? Pour ceux qui n'ont pas vu notre petit bazar de tout à l'heure, c'était n'importe quoi. On a démarré le live, il y avait le son, mais l'image était toute noire, vert pour tout le monde. Oui, ben écoute, ça va mieux. On a quand même réussi à arranger les problèmes techniques. En fait, c'est moi qui ai dû, dans les paramètres, j'ai dû cliquer. Voilà, j'ai fait des bêtises, j'ai dû cliquer sur des trucs qu'il ne fallait pas. Et heureusement que mon mari et mon fils sont venus voir parce que c'était le bazar. Mais bon, c'était rigolo. Du coup, au moins je me dis qu'il faut que je fasse attention de ne pas trop toucher dans les paramètres parce que après ça va plus quoi. Bah, en fait, j'ai que cette partie-là qui est... Enfin non, je n'ai pas que cette partie-là qui est faite. Mais bon, celle-là, elle commence à être à peu près... Elle commence à être à peu près ok quoi. Allez, on va chercher notre musique vers Kéké. Mais oui, je n'attends que ça. Allez, surprends-nous. Surprends-nous Kéké. Ça bug chez toi? Qu'est-ce que ça fait? Ça bug un peu, qu'est-ce que ça vous fait? Ah, chez Chachalou, c'est nickel. Ça s'arrête et ça reprend. Après, c'est peut-être l'internet, hein, j'en sais rien. En tout cas, nous, l'internet, il est bon. Hein. Moi, j'ai pas vu ce qu'il nous jouait. C'est pas grave. Ah ben oui, évidemment. Mais nous, on n'est pas prêts d'avoir la fibre. Hein. Oh là là. Et donc, mais c'est une nouvelle chanson, ça. Elle me dit rien du tout. Ah, t'as la fibre en plus, Lydie. Ah ouais, bah ça devrait marcher comme il faut, il n'y a pas de raison. Ça, c'est une nouvelle chanson pour moi. Jamais entendu ça.
Ça doit faire partie des nouvelles chansons. Ouais. Après, c'est vrai que maintenant, moi, j'ai un très bon internet avec ma petite boîte 4G Orange. Et j'ai lu quelque part que... après, il faut que les personnes aient le même internet. Mais bon, si toi, Lydie, si t'as la fibre, ça devrait marcher nickel. Il n'y a pas de raison. Moi, bon, il me tarde de voir là. Il me tarde de voir ce que c'est. Comme chanson. Ben, je pense que voilà, j'allais dire, il y a beaucoup de gens qui regardent sur leur téléphone. Nous, quand on fait les réglages, on se met sur la grosse télé, comme ça on se dit voilà, au moins on est au pire avec la grosse télé 4K, et là si ça marche pas, on le voit, hein. Sur les mobiles, généralement ça passe beaucoup mieux, donc forcément. Pour tous les gens qui sont là, n'hésitez pas à follow. Et ouais, c'était rigolo parce que ce soir on a démarré mal, mais voilà, on finit plutôt bien. Du coup, c'est un petit live, mais bon, c'est rigolo. Et puis, c'est les problèmes techniques du début à résoudre. Ouais, c'est marrant. Alors, donc, on va regarder ce qu'il nous a donné. Alors, ça s'appelle Corino. Corino Kéké a à peine de plus, et puis c'est mon prénom, quoi. Merci Kéké, c'est gentil. Allez, on va aller mettre ça chez nous, comme ça. Voilà. Tu l'avais déjà? Ouais, c'est une des nouvelles chansons, hein. Parce que ça, je ne connaissais pas du tout, hein. Allez, hop, on va aller mettre ça là-haut. Voilà. Oui, effectivement. Hein. Elle est marrante, cette chanson. Ouais, elle est bien. C'est une chanson qui est bien, bien entraînante, je trouve. Alors voilà. Hop, hop, hop. On va faire des petites choses rapides. Hein. Je sais plus si j'étais allée chercher mes Mice Nook. Tu danses, Lydie. Allez, voilà, très bien. Quelques petits Mice Nook. Quelle heure il est? Ah oui, mais il va déjà être 20h. Oh, tranquille sur le fauteuil avec une bonne couverture, telle la petite mamie. Là, c'est notre petit bazar de patinoire, hein, donc voilà, tout est posé, mais rien n'est placé correctement. Oh, en plus, on a des étoiles filantes, on serait bien capable d'avoir Céleste par là. Hein. Mais Cube, t'étais déjà là cet après-midi, t'es toujours en train de faire du... Regarde les mamies sur le chat. Oh, moi j'ai 24 ans, je suis avec ma petite couverture. Oh, ben moi j'ai 32 ans, 33 en janvier. Je suis avec ma petite couverture aussi. Ah, la chachalou. Oh, je vais sortir ma bouillotte. Ah là là, on va tout savoir. Et elle se marre, les filles. Et elle rigole. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même aller faire un petit tour. On va faire un petit tour au magasin quand même. Voir ce qu'il y a. Ah ah ah! Oui, parce que Chachalou ne vous a pas tout dit. C'est ma fille. C'est ma deuxième fille. Parce que Lydie, elle connaît bien ma première fille, mais elle ne connaît pas ma deuxième fille. La deuxième fille, c'est Chachalou. Elle est sur le chat. Oui, je sais, je sais.
La petite Bounty. La petite Bounty Zaka. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Un poster d'études. Mais c'est bien moche, ça. Coucou, Chachalou. Non, j'achète pas, c'est pas beau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Franchement. Le canapé qui est là, c'est un truc que j'ai pas, ça. Mais j'ai pas assez de sous. Ah ben si. Ben si. Allez, hop, on le prend. Par contre, je n'ai plus de sous pour rien d'autre. Non. Après, je peux aller chercher des sous au DAC, parce que j'en ai mis un par là. On va aller voir. Solde chez eux, mais pas augmentation du taux de navet. Tiens, l'autre jour, je suis allée sur l'île de Joe et Astrid, elle m'a prévu un taux de navet qui allait monter. J'en revenais pas. Du coup, j'ai pas vérifié parce que je sais plus ce que j'ai fait le jour après. Puis de toute façon, des navets, j'en avais pas. Des navets, j'en avais pas. Oui, voilà. C'est ça. C'est le jeu de mots du soir. Et du coup, je me suis pas préoccupée de ça. Mais a priori, comme elle dit des choses vraies, je me suis dit, tiens, je pensais pas qu'elle pouvait prédire un bon taux de navet. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Alors, ouais, elle m'a dit, oh, je vois, elle avait vu Porcelette et tout. Elle me disait, voilà, je vois plein de clochettes et tout. Je me suis dit, oh là là, ça c'est bizarre. Oui, t'as eu 453, Lydie, la semaine dernière. On va retirer un petit peu de sous. Voilà. Parce que si jamais on a des petits vêtements intéressants chez les petites sœurs, là, c'est jamais. Là, on fait des petites choses simples. Ah là là, quel bazar, moi je vous dis. Enfin, je suis contente que ça remarche le stream parce que franchement, ça m'enquiquinait. Il y avait des gens qui étaient déjà arrivés tout à l'heure. Du coup, je pense qu'ils sont repartis. C'est pas évident quand c'est comme ça, j'aime pas trop. Bon, je me demande si un jour elle nous donnera d'autres motifs, celle-ci, là. Tiens, pendant que je vous tiens là, est-ce que vous avez eu. Moi, j'avais entendu, je ne suis pas la seule, hein. On est plusieurs à avoir entendu dire qu'on aurait 50 emplacements de motifs supplémentaires pour les motifs perso. Est-ce que vous avez eu ça, vous? Parce que moi, j'ai pas eu les 50 emplacements supplémentaires. Ça voudrait dire qu'en fait, on en aurait 150 avec la mise à jour. Est-ce que vous avez eu ça? 50 motifs, tu les as eus, toi, Lydie? Je pense qu'il faut être bien, bien avancé. Normalement, il y a des gens qui disent qu'on a eu 50 motifs supplémentaires avec la mise à jour. Et du coup, ouais, t'en as entendu parler, Louloute. Hein. Et du coup, moi, j'ai pas eu ça. Donc, je me dis, est-ce que c'est parce que mon île, elle n'est pas suffisamment avancée? J'en sais rien. Mais a priori, il n'y a rien, hein, c'est tout moche. A priori, on aurait eu ça avec la mise à jour. Mais en fait, bonsoir Laetitia. Oui, ça va mieux. Ça va mieux, on a démarré le stream avec un écran tout vert noir pour vous, donc c'était pas top. Il a fallu résoudre le problème technique. Donc, et toi, tu as 5 étoiles depuis un moment. Ouais, je me dis, est-ce qu'il y a des trucs qui sont bloqués je sais pas, est-ce qu'il faut faire... Est-ce qu'il faut faire certaines choses dans le jeu pour débloquer ça? J'en sais rien du tout. Ça me paraît trop bizarre. Alors, si jamais il y en a qui ont les 50 emplacements supplémentaires, il faut nous dire comment vous avez eu ça. Hein. Parce que moi, je ne sais pas. Je n'ai rien eu du tout. Et puis... Et tu nous diras, Lydie, hein, si t'as eu tes 50 emplacements supplémentaires. Allez, on va aller se boire un petit café, ça va nous remettre de nos émotions de début de stream. Oups là. Bon alors, les gens qui sont sur le chat là,
Dites-moi ce qu'il va y avoir à droite, là, 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 au musée. Ça va pas rester comme ça, c'est pas possible. On n'a pas, c'est ce que je disais l'autre jour, on n'a pas comme ça le côté droit du musée juste pour s'asseoir. Oui, alors Laetitia, elle m'a passé un message pour me dire tout à l'heure que quelqu'un l'avait volé sur son île. Oui, Lydie, il faut acheter des maïsnook, mais moi, sur ma borne, c'est pas dispo. Donc toi, tu les as, Lydie, les 50 emplacements supplémentaires. Ça, c'est vraiment très bizarre, hein. Moi, je les ai pas, hein. J'ai pas la possibilité, quoi. De toute façon, ouais, moi, je pense que c'est ça. Ouais, c'est bizarre hein, qu'il y en ait qui les ait eus et je vais essayer de faire une recherche sur internet pour ça. Parce que c'est quand même vraiment bizarre cette histoire. Bon allez, on va aller se boire un café. Ah là là, je vous jure, quelle histoire ce soir. Salut Robusto. Allez, heureusement que j'ai retiré des sous. Oui, je veux un nuage de lait de pigeon. Déjà que j'aime pas le café, avec un peu de lait, ça passe mieux. Bon, quand est-ce que tu nous fais des chocolats chauds? Et moi, je préfère le chocolat chaud en hiver. Ou bien du vin chaud, tiens. Moi, du vin chaud, ça me tente très bien. Allez, c'est parti. Ah d'accord, Lydie. Bah écoute, je sais pas trop. Ah oui, 150 avec les motifs vêtements, d'accord. Dans un autre groupe, j'avais laissé ouvert suite à... Voilà, elle nous explique, Laetitia. Dans un autre groupe, elle avait laissé ouvert suite à un concours que j'avais gagné. Une personne malhonnête est venue sans me dire et m'a volé sur ma plage ce que j'avais. Oh là là, mais c'est fou ça. Oui, tu m'as donné le nom de la personne. Lydie, je te passerai le nom de la personne aussi. Voilà, parce qu'on ne l'a pas sur nos groupes, je pense pas. Et il ne faut pas qu'on l'accepte du coup. Hein. Ouais, toi aussi, Lydie. Bah, j'espère que c'est pas la même personne. Hein. Non, c'est pas cool. Mais moi, je comprends pas comment on peut faire ça sur un jeu, franchement. Voilà, quoi. Ouais, t'étais au courant. Ouais, ok, d'accord. Bon, tu me donnes rien, Robusto? Non, je suis pas venue hein, ces jours-ci. Bon, voilà, voilà. Ouais, bon, voilà, on a des petits maïs, quand même. C'est le Covid qui les rend fous. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça, c'est sûr. On va tous devenir fous avec ce Covid. Ou cette Covid. Parce que c'est la Covid. Hein. Attention. Hein. Non. Coucou, Rosilda. Ça va bien? Ah là là, heureusement que vous arrivez après l'orage, hein. Ils vont choper le Covid dans le jeu. Oui, écoute, ça va mieux, Rosilda. On a démarré sur les chapeaux de roue parce que du coup, les gens avaient le son dans le live, mais pas la vidéo. C'était tout noir, vert et tout. Et en fait, c'est moi qui ai dû toucher à des trucs qu'il fallait pas, tu vois, dans les... dans les paramètres. Donc heureusement que j'avais mon mari et mon fils dans les parages pour m'aider à remettre ça en ordre parce que franchement c'était pas cool. Ok, voilà, la Lydie elle a des choses à faire hein, voilà, comme quoi tu vas faire ta bouillotte et puis ta petite tisane. C'est ça. Coucou Laura.
Oh non, avec le jeu, dit très professionnellement. Ah, d'accord, tes chaussures de danse n'attendent plus que toi. De la même famille, Lydie et moi, oh, bah, c'est presque ça. On est tous un peu de la même famille. Mère-fille peut-être. Non, ma fille, elle était censée être sur le chat, mais elle ne nous cause plus. Chachalou, est-ce que tu es encore là? Coucou, on va aller faire un petit coucou à la Jen, tiens. Ben oui, on espère bien, hein. Tu cherches toujours tes plans de Noël? Mon Dieu. Est-ce que tu avais joué au jeu de... T'as joué au jeu de... Au jeu de Rosilda? Qui a gagné sur le visage de Ketchup, du coup? J'ai pas vu, moi. Comme j'étais dans mes problèmes techniques, là. Parce que, justement, c'était des plans de Noël sur le jeu de Rosilda. Bon, est-ce qu'on a le temps de se faire un petit amiral? Allez, on va se dire que oui. Puis après, j'arrêterai après amiral à ce moment-là. Allez, c'est parti! Deux gagnantes, d'accord. Alors, comment tu as fait, du coup? Tu donnes le double de plan ou bien tu t'as coupé le haut en deux? Coucou, Némina. Bienvenue. Ça fait plaisir, c'est la première fois que tu viens. Bah écoute, comme je disais, ça va mieux parce qu'en début de stream, on a eu un petit problème technique. Et puis du coup, les gens ne me voyaient pas. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. On a résolu le problème. D'accord, tu as donné deux crafts à chacune. Bon, bah super. Écoute, Laetitia, je vais essayer de regarder ça parce que ça fait quand même plusieurs jours que tu cherches tes plans de Noël. Je vais regarder ça et puis je te passerai un message à MP. Je vais regarder ça. Après mes pizzas. Non, franchement, je fais amiral et puis après j'arrête parce que mes hommes là-bas, ils vont mourir de faim. T'en as aussi... Il t'en reste, Rosilda? Écoute, à ce moment-là, vois avec Laetitia parce qu'elle en cherche depuis plusieurs jours. Non, je fais rien de bon à manger. On a commandé des pizzas à la machine à pizza. Non, d'habitude, je les fais les pizzas, mais là, je sais pas pourquoi, je sentais le problème technique ce soir. Donc du coup, ça m'arrange. Bon, elle a vraiment rien de spécial, cette île, on est d'accord, hein? À part le fait qu'on soit en automne, franchement, il n'y a rien, quoi. Bon, allez, hop, eh ben, c'est bon. Voilà, super. Donc, en fait, 1000 miles pour prendre un gyroïde et une bouteille avec un plan que je vais déjà avoir. Mais pourquoi tu creuses là, Cruchotte? C'est là, tu vois bien, non? Voilà. Par contre, faudra me dire ce que tu lui donnes. Comme ça, moi, j'essaierai d'avoir les autres en plan de Noël, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? Ah, pas dit que j'ai, finalement. Ah, ben voilà. Au moins, on n'est pas venu pour rien. Parce que entre nous, voilà l'île basique, quoi. À part un gyroïde et un plan, c'est bien tout ce qu'on aura ici.
Allez. C'est parti. Ouais, ça fait plaisir que vous soyez quand même là, malgré mes déboires techniques. Allez, ça fait du bien, ça détend. Les petites chansons de Amiral. Allez, on va. On va chanter avec lui. Ah oui, je sais, je sais. Bonne soirée Laetitia, et puis on s'occupe de tes plans. Hein? Vous me direz ce qui manque. Voilà, je fais genre, je chante en même temps. Oui, bisous, bisous. Bonne soirée. On va aller enterrer notre gyroïde. Oh, mais Cube, il a passé la journée devant chez lui à faire du yoga. Parce qu'en fait, je suis déjà venue sur mon île cet après-midi. Il était déjà comme ça. J'ai arrêté ma console depuis, hein. Et j'ai rallumé et il est toujours en train de faire du yoga devant chez lui. Qu'est-ce qui t'arrive, Cube ? T'as besoin de déstresser ? C'est bizarre. Il est peut-être bloqué. T'es bloqué ? T'es bloqué ? Ah, je vais pas lui donner un coup de pelle. Non, je suis pas comme ça. Jamais je ne fais du mal à mes habitants. À part vraiment si je fais... Je ne leur donne pas de coups, je leur donne pas de coups de filet comme ça. À moins si je fais pas exprès, quoi. Mais autrement, voilà, je n'aime pas ça. Même un habitant que j'aimerais pas trop... Je leur fais jamais de mal à mes habitants. Voilà, voilà, on a dit qu'on allait mettre... Gardez-la, elle, avec ses yeux fermés. Vous l'avez vu, la photo que j'ai mise sur le groupe sur Facebook, avec ses yeux fermés. L'affreuse, là, qui fait peur à tout le monde. On va aller la voir un petit coup. You, oh mon Dieu. Attends, si je... Regardez là. Avec ses yeux fermés le soir. Ça fait peur hein, quand même. Hein? C'est impressionnant. Et j'ai vérifié, hein, la journée, elle a bien ses yeux ouverts. Hein? Et le soir, elle a ses yeux fermés comme ça. Ouais, mais elle est hantée. Hein? C'est un tableau hanté, de toute façon. C'est le faux et il est hanté, mais ça m'impressionne à chaque fois. Je trouve ça très rigolo. En fait, je l'ai pris chez Runard, je savais que c'était la fausse toile nacrée. Mais je me suis dit, je vais la prendre parce que je savais ce qu'elle faisait et c'est tellement rigolo. Bon, elle dort la nuit, elle est vivante. Allez, on va enterrer notre gyroïde. Hop, hop, hop. Allez, oh, n'importe quoi moi. Oh mon Dieu, je vous jure. Ah, il faut le voir pour le croire. Allez, on va l'arroser. Voilà. C'est tout bon. Il fume ? Est-ce qu'il fume ? Oui, il fume, c'est bon. Ah, Jennifer, c'est pareil. Elle a regardé la dame qui dort. T'as vu ça, Jennifer? On a une toile hantée sur l'île. Incroyable. Bon, quelle heure il est? Il est 20h22. Franchement,
je vais arrêter pour aller donner à manger à mes hommes, parce que ça se fait pas, quoi. J'avais dit que j'arrêtais à 20h, mais en même temps, j'avais prévu de démarrer à 18h15. Au final, on a démarré, il était presque 20h, du coup, avec nos problèmes techniques. Donc, bon, c'est pas grave, c'est un petit live, c'est rigolo. Et on a 45 minutes quand même. Et du coup, voilà, on a résolu les problèmes techniques. C'était le plus important. Et demain après-midi, je vous promets que je fais un live. Je ne sais pas à quel moment je le ferai. Bon, je ne sais pas. Dans l'après-midi, on va dire. De toute façon, je préviendrai sur le groupe Facebook. Et... oui, pour ceux d'ailleurs qui seraient sur le chat et qui ne sont pas sur Facebook, vous pouvez venir sur mon groupe Facebook. Ça s'appelle Rêve de Villageois et c'est un groupe sur les habitants d'Animal Crossing. Et donc, sur le groupe, je préviendrai à quelle heure je fais mon live de toute façon. Il n'y a pas de souci. Et puis, je vous promets, parce que ça fait bientôt une semaine qu'on essaye de faire cette patinoire et cette fête foraine. Et à chaque fois, tous les jours, il y a un truc qui nous empêche de le faire. Donc demain, on fait la patinoire et la fête foraine. Voilà. Et j'espère qu'il n'y aura pas de contretemps cette fois. Parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, c'est n'importe quoi. Ah là là, je ne vais pas avancer vite sur cette île, hein. Ça continue comme ça. Non mais franchement, je vous jure. Bon, je vous dis à tous bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Et puis pour ceux qui pourront revenir, je vous dis à demain après-midi. Pour ceux qui pourront venir faire un petit tour sur le live, ça sera sympa. Au revoir. Au revoir à tous. Je vous fais des bisous. Et puis encore, je m'excuse encore pour le début de live qui a été un petit peu compliqué. Maintenant, c'est tout bon. Je vous fais des bisous. À demain après-midi.